Un mot à présent sur ces deux accidents survenus ce week-end dans Vendée. Hier dimanche, en milieu de matinée, deux voitures sont entrées en collision à Brême-sur-Mer. L'accident a fait un mort, une femme de 89 ans, habitante de la commune. Et puis un peu plus tard, à Saint-André-Gouldois, cette fois, un jeune conducteur a perdu le contrôle de sa voiture. Il a fini sa course contre un arbre. Il a donc été transféré à l'hôpital de Montaigu. Et le nombre d'accidents continue donc d'augmenter sur les routes de notre département. Ce sont 39 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l'année. La majorité des décès a été enregistrée entre le mois de juin et ce début du mois d'août.